Bonsoir les amis, j'espère que tout va bien, que vous êtes en forme et bien motivés pour faire cette séance de cardio renfo, jour 52 du confinement aujourd'hui. On ne lâche rien, on est toujours là. Bah, bravo en tout cas pour ceux qui suivent, qui sont réguliers et puis qui jusque maintenant ont bien tenu, même si c'est pas forcément tous les jours, voilà, qui ont continué à bouger, qui se sont motivés. Ben je vous félicite. J'ai pensé un petit peu à vous ces dernières heures. J'ai eu écho, hein, j'ai vu, vous avez peut-être vu aussi certains articles qui prévoient des rentrées sportives un petit peu compliquées pour ceux qui n'ont rien fait. Alors les rentrées sportives, ben, on pourra en reparler. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ce sera possible vraiment de les faire dans les clubs. Certains clubs rouvrent, d'autres pas, ça dépend également des communes, enfin c'est assez compliqué. Pour le coup, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez vos activités sportives qui reprennent, que je sache un petit peu comment caler peut-être les lives aussi, votre travail, pour essayer de se retrouver un rythme sans que personne ne soit largué et ne puisse pas trouver son compte au niveau activité sportive. Ça, ce serait vraiment très dommage et je veux pas que ça se passe. Donc, on voit un petit peu comment faire chacun de notre côté. N'hésitez pas à me faire les retours, soit par mail, soit sur le chat. Par ailleurs, donc je disais, oui, les retours un petit peu dans les activités sportives, retours un petit peu compliqués, on prévoit des pics de blessures, des pics de problèmes en tout genre, de traumatismes en tout genre, même les prises de poids, je sais pas si vous avez vu un petit peu les articles, diabète, etc. Oui, parce que l'activité a été cessée pour certains pendant pas mal de temps et va peut-être cesser encore jusqu'au mois de septembre. Or, si vous n'avez rien lâché, que vous avez été régulier, que vous n'avez pas fait de coupure, même chez vous, pas forcément avec moi, hein, mais c'est très bien pour éviter tous les petits soucis qui risquent d'y avoir après cette coupure vraiment totale de sport. On essaie d'éviter ça au maximum. C'est vrai que l'activité sportive, ben, c'est important en temps normal. Et là, on était un petit peu, c'était un petit peu compliqué dans cette période. Si vous avez continué, si vous avez été régulier, si vous n'avez rien lâché, voilà, soyez positif. Vous aurez une belle rentrée sportive dans vos activités, je pense. Voilà. On parlait de blessures, hein, je rebondis sur l'idée des blessures. C'est vrai que si on fait une grosse coupure sans sport pendant un moment et qu'on reprend son activité sportive peut-être violente, habituelle, sans préparation en amont, comme s'il n'y avait pas eu de coupure, c'est là que ça risque de faire mal. Donc, je vous dis pas, vous faites très attention puisque vous êtes là, donc vous êtes entraîné, mais c'est vrai que ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, le temps de dire tout ça, et puis y en a certainement qui nous ont rejoints depuis que j'ai commencé. Bonjour Gwenel, Gwenel qui a fait la séance fessier, très bien Gwenel, et tu es là en plus aujourd'hui. Alors là, ça va chauffer parce qu'on va refaire un peu de jambes, de fessiers. Te décourage pas, hein, reste. Lisa aussi. Salut Lisa. Élise. Bonjour Élise, très bien. Véronique. Il y a Violette. Hello Violette. Edith. Ouais, bonjour Edith. Ça va. Bonjour, ça va. Très bien. Et puis peut-être Bertrand aussi. Et Didier aussi. Et Didier, ok. Pour ceux qui écrivent. Aujourd'hui, matériel, le tapis, évidemment, pour vous isoler du sol, pour vous installer confortablement. On aura besoin d'une chaise stable aussi. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, on pourra faire sans.
toujours la bouteille d'eau, la gourde d'eau, bien sûr. Et puis, le fishbowl, si vous voulez faire les exercices abdos, dorsaux, ischio avec, vous connaissez, pas de souci. On aura besoin également d'haltères ou de bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltères, bouteilles de lait, ce que vous avez. Ok ? Je crois que j'ai tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et puis, on va démarrer tout de suite sur l'échauffement. Je vais mettre la musique. Vous mettez la botte si vous voulez. Et on démarre. Allez, on est debout et on inspire. Bon, attendez, j'entends plus tard. Ah, il y a déjà qui met. J'ai même découvert la séance pour bien démarrer la journée pour demain matin. Gwenel, c'est ça, Gwenel. La séance bien démarrer la journée, oui. Inspirez. Étirez. Et soufflez. Inspire. Étire vers le plafond, écartez les jambes et relâchez. On va chercher jambe gauche, milieu et à droite. On va lever le sol, on remonte, inspire, souffle, descend. Encore, bien, allez chercher vers l'arrière déjà. Et soufflez, remontez. Dernière. Et reviens. On va chercher haut. On écarte, on souffle. On fléchit une jambe. Main au sol pour libérer le poids du corps. Jambe tendue de l'autre côté. Et on descend tranquillement pour échauffer le bas du corps. On alterne à droite, à gauche. On essaie d'avoir le dos droit. Et on revient au centre. Hop, je rapproche les pieds. Je pousse à l'intérieur des genoux avec les coudes pour ouvrir les genoux. On échauffe les adducteurs tranquillement avec les mains toujours posées au sol et le dos bien droit. Et on passe en fente avant. Et planche et on change. Encore une ou deux fois à droite, à gauche. Et reviens au milieu, ventre au sol. On se redresse sans forcer sur les lombaires. Plantez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Genou au sol. Assis talons, allez chercher loin devant. Et je ramène épaules, ventre. Redresse, plante. Pousse. Encore. Inspirez, soufflez profondément. Et on pousse bien vers l'arrière, on ramène une jambe, un pied à l'extérieur des deux mains, on va poser le genou au sol, on se grandit, inspirez, poussez bien le buste vers l'avant et relâchez, inspire, souffle, encore, allez chercher loin, 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 le plus loin possible mais sans vous faire mal. Et repose les mains au sol. Planche de l'autre côté. Genou sol. Inspirez. Étirez. Relâche. Encore. Allez, encore trois fois. Vers l'avant. Deux. Et trois. Relâchez. Soufflez. Mains au sol. Planche. Ventre au sol,
On se redresse et on va décoller hanche droite, hanche gauche. En remontant les genoux, en relevant les genoux, je les décolle du sol aussi. Et reviens à 6 talons. Et tirez loin devant. Et ramenez. Remontez. Plantez. Poussez. On va revenir en position planche gainage. Et montez genoux, menton. Tranquillement. Dos droit. Et pousse fesses vers l'arrière, ramène les mains, flexion des genoux, déroule la colonne. Inspirez, flexion des genoux. Hop, je pose les mains au sol, je les ramène vers l'avant, je viens poser le ventre au sol. On se redresse, faites ça tout doucement et fluidement, surtout si vous avez du mal. Planche, je ramène les mains, flexion, déroulement. Inspirez, soufflez, hop. Allez, dernière fois, remonte et reviens debout. On y va pour les bras vers l'avant. N'oubliez pas les postures, les pieds, les genoux, le dos, on contrôle tout. Et vers l'arrière. Encore vers l'avant. Et encore vers l'arrière. On va venir ici faire hop, bascule bassin à droite, à gauche. Avec les genoux légèrement fléchis. On peut faire sur le ballon, hein, sur le Swiss ball si vous avez, n'hésitez pas. Alors, le ballon pour échauffer bassin, il est intéressant pour la rotation parce qu'on peut vraiment aller chercher l'amplitude et on peut aller délier déjà le dos. Avant-arrière. Ne rentrez pas les genoux, n'affaissez pas les pieds vers l'intérieur. Contrôlez toujours. Et là, je reviens et je peux faire le pivot, la rotation dans un sens. Tranquillement, tout doucement, sans brusquer. Allez chercher loin. Arrière, avant, hop, poussez bien côté. Arrière, hop, côté. Et de l'autre côté. Et reviens. Ici, bascule à droite et à gauche en arquant, je vais chercher loin. Glissez entre deux murs. Je sais, je le répète tout le temps, mais j'insiste. Et en plus, il y en a qui viennent de nous rejoindre sur la séance, qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas. Vaut mieux le dire. Et reviens ici, rotation en montant le genou et en ouvrant. Bonjour Cindy et Mathieu, je suppose. Très bien. Et on ouvre et on ferme maintenant. Hop. Il y a Laurent aussi. Il y a Laurent. Bonjour Laurent. Et Hélène. Et Hélène, très bien. L'autre jambe. Montez, ouvrez. Deux. Et trois. Hop. Ouvrez maintenant et fermez. Et relâchez. Jambes écartées, on va mettre main gauche sur pied droit. Je remonte, inspire et souffle. Vous descendez jusqu'à ce que vous pouvez, hein, sans forcer. Allez déjà, regardez bien vers l'arrière. Hop. Encore. 3, 2. Et on va monter genoux, coude opposé. Je repose côté, pied bien à plat. Hop. 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8 de l'autre côté. Et on va alterner une fois à droite, une fois à gauche. Encore 4, 3, 2, 1 et relâchez. On va venir ici avec le bras gauche. Hop, ramenez vers l'avant et vers l'arrière avec rotation ici légère du pied de l'arrière. Les orteils, je les dirige là où je regarde. Et l'autre côté. Allez chercher loin derrière. Vous pouvez même faire un arc de cercle ici pour vous aider à la rotation au niveau du mouvement. Hop. Encore 4. 3. 2, 1, et relâchez. On revient ici de face, on va mettre talon, fesse, et hop, allez chercher vers l'avant. 2, 3, 4, 5, 6, allez chercher loin, 7, 8, toujours le dos bien droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8, et relâchez. Inspirez, étirez vers l'arrière et soufflez. Hop, on trottine sur place, on y va. On réveille un petit peu le cardio, même si on a déjà bien joué. Bougez, jouez aussi. Hein. Échauffement articulaire, musculaire, déjà bien avancé. On réveille un petit peu le cardio. Et on va monter les genoux progressivement, d'abord pas trop haut. Et allez, on monte avec les bras. Encore, encore, encore. Talons, fesses. Et on va croiser une fois devant, une fois derrière. Et on croise maintenant, fente avant, droite, gauche. Petit saut léger. Et on revient, bascule. Je chasse. Jambe à droite, jambe à gauche. Et on ouvre et on ferme avec les bras vers le plafond. On vient chercher vers le bas, on remonte. Doucement, tranquillement, à votre rythme. Dos droit. Et reviens. Petit, hop, droite, gauche, en latéral. Déplacement. Encore. Et encore. Ok, ciseaux. Et saut pieds joints, avant, arrière, en déplaçant latéralement. Droite, gauche, droite, gauche. Encore une. Et je relâche. On inspire. On étire. Et soufflez. On va faire trois flexions profondes. Squat jusqu'en bas. Dos droit. Tibia le plus à la verticale possible. Et reviens. On passe à la suite. Échauffement terminé. On peut boire. Thank you.
Ça va? Prêt? Motivé? Chaud? Alors, on va démarrer. Comme on est déjà bien chaud et on a déjà commencé le cardio, bah, on va continuer à lancer le cardio avec 6 exercices de 30 secondes, 10 secondes de pause entre chaque. Ok? 10 secondes pour souffler, pour se replacer, pour regarder l'exercice suivant. On y va? On est prêt? Premier exercice, tout simple, on va faire jumping jack. Donc, écarter les jambes et on va mettre les bras sur le côté. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on y va. Vous faites à votre rythme surtout. Si vous avez besoin de faire plus lent ou plus vite, amusez-vous sans vous faire de mal. Défoulez-vous, libérez votre esprit de la journée. Exercice suivant, on fera saut latéral, hop, avec sabre, si vous voulez, sabre invisible, pour trancher, on y va. On y va, alors je vais prendre du pied, on remet. Oh, je sais, je n'avais pas mis le menu à intervalle, je remets le menu à intervalle. On y va, 3, 2, 1, hips, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, exercice suivant. Jambes tendues sur le côté avec le pied bien à plat. Jambes fléchies au milieu, dos bien droit. Et on va venir chasser. Ici, on y va. Je chasse à droite, je chasse à gauche. Essayez d'avoir les épaules vers l'arrière, omoplates resserrées pour garder le dos droit. N'arrondissez pas, hein. Et relâche, 10 secondes, exercice suivant, main au sol, et on va monter genoux, menton, à votre rythme aussi, c'est parti. Essayez d'avoir le dos droit encore. Reviens. Exercice suivant. Corde à sauter ou corde invisible. Et on peut même faire sur un pied. Quand elle est invisible, c'est plus simple. On y va. Gainez toujours en debout. Contractez fessiers, abdos, périnée. On se tient droit. Exercice suivant, le dernier. On fera hop sur un pied skaters et on rajoutera main, pied opposé pour travailler proprioception. Go! Dos droit. Thank you.
relâchez. Allez, premier bloc terminé, on souffle. On récupère. Là, on est bien lancé. On est bien chaud. On respire, on marche. On fait un petit coucou. Exercice suivant, bloc suivant, on va travailler le bas du corps et le haut en même temps. Donc, si vous avez une bouteille d'eau à portée de main ou halter, n'hésitez pas à la prendre. Et on va démarrer dans à peine une minute. Hop. Tiens. Premier exercice. Alors toujours le dos bien droit, hein. Ici, on va venir faire fente arrière avec la jambe tendue. Vous allez bien travailler le fessier. Et là, je vais remonter avec le dos droit, le poids en flexion. À chaque mouvement de jambe, le poids bouge, descend ou remonte. Ça marche? Exercice 2, on va venir faire comme tout à l'heure, on chassait droite-gauche. On va faire la même chose avec deux poids ici. Et à chaque fois, je glisse les deux poids autour de la jambe d'appui avec le dos droit. Ok, on y va. Premier exercice. 3, 2, 1. Go, c'est parti. Tirez bien vers l'arrière pour travailler le fessier. Ne mettez pas tout votre poids du corps vers l'avant. Hein. Contrôlez bien, le genou ne dépasse pas la pointe de pied. Et le buste est légèrement avancé vers l'avant sans être complètement parallèle au sol. Ne faites pas ça. Et relâche. 10 secondes pour changer de position. Et je vous ai dit ici, hop, là, chasse. Vous pouvez très bien ne pas prendre de poids. Et venir ici travailler. Allez, c'est parti, hein, on y va. Dos droit. Pas obligé de descendre bas. Allez, soufflez bien. Relâche, 10 secondes. Exercice suivant. Ici, on fera flexion et extension d'une jambe sur le côté avec hop, poids. C'est parti. Je commence aux épaules et je monte plafond. Ou sans, hein, si vous n'avez rien. Pas grave, ça travaille quand même. Gérez votre position du squat. Et relâchez. Ici, prochain exercice avec la chaise. Stable. Un pied sur la chaise et je descends. On y va. Si vous n'avez pas, vous faites sans la chaise. Fente. Et on change. Change de jambe. Et relâchez. Exercice suivant. On viendra. Ah oui, alors celui-là, soit. Hop. Deux possibilités, soit vous faites un squat normal, ou alors si vous n'avez pas mal au genou, vous pouvez essayer celui-là avec un poids dans les mains. Là, je suis assise sur une jambe et je remonte. Je descends. On y va? C'est compris? Avec ou sans poids aussi, en 3, 2, 1,
C'est parti. Genoux sol. Impulsion. Vous faites squat. Si vous avez des problèmes de genoux, celui-là, évitez peut-être. Hein. Vous allez le sentir. Et relâchez. Dernier exercice. Avec les poids au sol. Arrière, croise, triceps. Reviens de face, squat, biceps, on démarre. Et croise derrière, allez, allez, allez. Chrono est lancé. Position basse pour continuer à travailler le bas du corps. Dos droit. On pose 30 secondes, un petit peu plus si vous voulez, et on passe aux abdos. Six exercices d'abdos de 30 secondes. Je vous montre deux, trois petites choses d'adaptation. Ici, pour vous travailler les obliques, soit vous pouvez venir le dos au sol, travailler droite, gauche, ici. Vous pouvez également être assis et pivoter droite, gauche. Ok ? Ou alors, plus difficile, là, position sur le côté, je remonte genou, menton. Et je peux même, encore plus dur, genou, menton, pied, main, genou, menton, pied, main. Hop, de l'autre côté, même chose. Ok, donc vous choisissez pour les obliques comme vous voulez. Un autre exercice que je vous propose également, ici, soit vous viendrez toucher pied, main opposée, ou alors vous viendrez toucher en venant, en partant de la position dos au sol, je remonte pied, main, je descends, hop, hop. Ok, c'est selon vous, selon votre dos, selon vos possibilités, vos capacités. Ne grillez pas les étapes. Si vous ne pouvez pas faire ça, ça viendra. Faites d'abord du plus simple et après on monte en niveau. Ok ? On y va ? On va démarrer par le premier exercice, un exercice d'oblique. Donc celui que vous voulez, twist, pied, main ou sur le côté. On démarre dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on se motive. À chaque fois, j'étends le buste vers l'arrière et je remonte. On appuie sur l'avant-bras. On peut changer de côté si vous avez fait celui-là. Et on enchaîne. Crunch. Ici, dos au sol et on remonte les épaules. Jambes à 90 degrés, je contracte les abdos ici, je regarde vers le plafond. Possibilité de mettre les mains loin là-bas vers l'avant ou sous la tête pour porter le poids de celle-ci, mais sans tirer sur la nuque. Soufflez bien quand vous remontez. Et relâchez, exercice suivant de chandelle, on y va. Enchaînez. Poussez plafond. On peut aller à l'horizontale. Avec les mains sous les fesses et en passant par la flexion. Ok, position assise. Et pied, main ou alors dos, sol, pied, main. Allez-y. Souffle.
très bien. On tient, on tient. Allez. Et relâchez. Exercice suivant. Étoile, pied, main opposée. Soit dos au sol et je relève uniquement épaules. Ça travaille déjà pas mal. Ou alors, je relâche tout vers l'arrière et je remonte. Plus dur. Et relâchez. Dernier exercice, bras en croix. Basculez à droite et à gauche. Allez, allez. Soufflez bien, contrôlez la descente avec les obliques. Et relâchez. Ouh. Yes, 3 minutes non-stop, abdos. Bravo. On peut les étirer tout de suite. Entre au sol, je me redresse sans creuser le dos, hein, sans appuyer. On relâche le ventre. On peut même se mettre sur les pommes de pied ici et ramasser, hop, les orteils. Sans creuser, sans forcer sur les lombaires. Et relâchez. On a travaillé abdos. On va travailler encore abdos. Là, on a travaillé les muscles obliques et le grand foie de l'abdomen. Maintenant, on va travailler le transverse. C'est le muscle le plus profond des abdominaux. C'est celui qui vous fait le ventre plat, qui retient tout ce qu'il y a à l'intérieur du ventre. Celui-là, on le travaille très bien en gainage. Donc, on va passer à 2 minutes de gainage. Je vous dirai toutes les 30 secondes le temps pour que vous puissiez gérer par rapport à vos objectifs aussi personnels. Et puis, donc on travaille abdos et quand on travaille gainage, on travaille toute la ceinture abdominale et la tonification du dos, partie centrale du corps. On y va, on est prêt. Donc, 2 minutes gainage, vous les faites en statique, vous les faites en mobilité. La condition, c'est de ne pas quitter la posture sécuritaire, c'est-à-dire de ne pas creuser le dos au moment de l'exercice. Donc pour cela, ici, je pousse les fesses vers l'avant, je contracte les fessiers et les abdos, rétroversion du bassin, comme ça, ma colonne vertébrale est droite et je ne lâche pas cette position. Si vous voyez que c'est vraiment très très dur, que ça commence à faire mal et que vous relâchez, que vous sentez votre ventre partir vers l'avant pendant le gainage, vous posez. Vous posez tout, vous reposez complètement ou vous posez les genoux pour avoir une position intermédiaire. Ok ? Cette position, beaucoup plus simple, mais qui peut vous faire rectifier votre dos. En conservant, même dans cette position à genoux, les fessiers contractés. Ok ? Parce que dans cette position, on peut encore creuser le dos. Donc, je contracte. Évidemment, pas de montagne. C'est pas bon non plus. On se met sur les mains, sous les épaules ou sur les avant-bras. Et on se met, on démarre. Au moins, on démarre sur les pieds quand même, on essaie. Hein. Et bien, celui qui fait le ventre plat, il faut que je continue à le bosser. Celui qui fait le ventre plat, donc avec le gainage, on y va. Quand vous faites votre gainage, donc conservez la position avec contracté en plus. Pensez à vos abdos et dites, allez, je contracte à fond, j'y vais à fond. Contractez cette partie-là aussi. C'est un muscle qui est important aussi, qui a une fonction dans la respiration. Respiration profonde et abdominale peut aussi aider à le renforcer. On y va. Dans 3, 2, 1, on est prêt, c'est parti. Pas d'arrondi non plus au niveau des épaules, hein. Resserrez les omoplates vers l'arrière. Et première 30 secondes de passer.
Vous pouvez vous amuser, hein, à changer d'exercice. Une minute de passé. Allez, 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 allez. Courage. Dernière 30 secondes. Et fini. Ouh. Soufflez. On peut tirer les bras, le dos. On relâche. Allez chercher le vent vers l'avant. Loin, 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 loin. On peut souffler et on peut boire. Ouh. Dernier petit exercice avant la récupération. On se fait 2 minutes de cardio pour se défouler. 4 fois 30 secondes d'exercices différents ou les mêmes exercices. Vous choisissez entre tous les cardio que vous connaissez, qu'on a déjà fait, jumping jack, ici, montée de genoux, ou alors montée de genoux debout. Accélération sur place. Vous pouvez faire également hop, squat sumo. Vous pouvez faire burpees à condition de veiller à vos postures. Squat, planche, pompe ou pas. Et re-squat et soit en extension. Ou alors plus simple, hop, sans la flexion et je remonte. On y va? Je bois un petit peu avant. Récupère et on va démarrer pour les 2 dernières minutes cardio pour s'amuser avant les assouplissements. C'est bon pour vous? Vous choisissez 4 exercices. Ou alors vous faites toujours le même pour vous cramer. Vous vous amusez, vous récupérez. Ou alors vous y allez à fond. C'est vous qui voyez. Selon la journée que vous avez passée. selon vos objectifs aussi. Faites-vous plaisir. Et puis bah, si vous aimez la corde à sauter et que vous en avez une, on y va. On démarre. On est prêt? Derrière, vous êtes prêts? Ouais. Et on démarre. Dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, on y va! On donne tout!
Non, allez. Aux étirements doux, assouplissement pour récupérer de cette bonne séance. Ouh. On y va. Vous soufflez profondément, vous inspirez profondément tout au long de l'exercice de récupération afin de récupérer plus efficacement. On y va. Inspirez, étirez et relâchez. À vous de mettre une musique sympa, plus calme si vous souhaitez. Hein. Je vais fermer, hop. Passez un bon moment de récupération. Peut-être sur une musique bien douce, détendue, zen. Allez chercher derrière, encore. Inspirez. Étirez. Et relâchez tout jusqu'au sol. On essaie d'écarter un petit peu les jambes si on peut. D'aller mettre les mains au sol avec le dos droit si on peut. Et on va poser, hop, genoux au sol. Écartez les genoux. Posez les avant-bras. Étirez ici les adducteurs. Je ramène le bassin vers l'avant. Je tends une jambe. Hop, je remonte et je repars vers l'arrière. Et repasse vers l'avant, pose genou, range la jambe, ouvre l'autre et repasse vers l'arrière. Ah, vous devez sentir sans douleur, on ne fait pas de grimace, sourire. Et je repasse vers l'avant, je pose le genou. Et je vais refermer un peu les genoux. Venir m'asseoir sur les talons, croisez les doigts. Étirez plafond et arrière. Grandissez-vous, profitez-en et relâchez sur les côtés, arrière. Allongez les bras loin devant. Grappillez encore quelques millimètres. Et passez les bras vers la gauche. De face, on va chercher loin. Et à droite, à droite, à droite, à droite encore, loin, loin, loin. Et reviens au centre. On étire et on ramène les épaules, ventre au sol. On se redresse. Montez les orteils. Poussez loin les fesses vers l'arrière. Et ramenez pied gauche à l'extérieur des deux mains. Poussez ici sur la pointe de pied, vers l'avant, vers l'arrière, avec le dos droit. Et on reste fixe, stable. On peut poser le genou au sol ou pas, comme vous voulez. Et on va se grandir en ouvrant main vers le plafond. Et soufflez, posez l'autre main. Et relâchez. On essaie de réduire la distance entre la hanche et le tapis. On pousse vers l'avant comme si on voulait bondir. Et relâchez doucement, redressez le buste, poussez l'ensemble du buste vers l'avant pour étirer le fléchisseur de hanche. Allez chercher, main vers le plafond. Grandissez-vous encore. Et soufflez, croix. Ici, je pivote, je vais chercher vers l'arrière tout doucement. Et bascule vers l'avant cette fois. Main vers le plafond et diagonale. Hop, 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 hop. Main vers l'avant. Et repose. Planche, ventre au sol. On se redresse. Plantez les orteils.
Vous assumez, un exo sur deux égale un tour de jardin à fond. Greg m'a regardé bizarrement. Relâchez. Ravancez une jambe. Et sur la pointe, je pousse et je reviens. Isa, elle a fait des sprints, c'est ça? J'ai pas bien compris. Et hop, main vers le plafond. Ah, pour les exercices cardio, Isa, elle a dû choisir de faire des tours de jardin, je crois, ça doit être ça. C'est ça, Isa, tu confirmes? Excellent. Et relâchez, on peut poser le genou au sol, hein, si ce n'était pas déjà fait. Hop, on y va. Inspirez, étirez. Loin, loin, loin. Et soufflez, écartez les bras. Pivotez. On va chercher derrière. Et main vers le plafond. Et on va chercher en diagonale. Et c'est ça? Excellent, génial. Et reviens, il faut en profiter. On a un beau temps encore aujourd'hui. Hop, planche, ventre au sol. On se redresse. Assis talons. Allez chercher loin. On peut aller chercher loin aussi avec ce mouvement ici. Je relâche en arrondissant les épaules. J'inspire profondément. Et au moment de souffler, je rallonge en allant chercher très loin les bras. Ici, inspire et souffle. Et là, vous avez récupéré de la marge. Ce mouvement, d'ailleurs, peut vous aider parfois quand on a le dos un peu bloqué au niveau entre les omoplates à récupérer la droiture de la colonne, en fait. Et plantez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière. Loin, loin, loin. Et ramenez les genoux au sol et on vient s'asseoir. Ouh, sur les talons. On vient ici écraser le bras contre soi sans renfoncer l'épaule. Coude vers le plafond, on aligne avec la colonne et on descend la main dans le dos. Hop, relâchez, même chose de l'autre côté. Si vous voulez prendre un bâton pour vous aider après, hop, ici. À venir chercher la main, n'hésitez pas, hein, je vous ai déjà expliqué l'objet intermédiaire entre les deux mains qui peut vous aider à assouplir vos épaules. Et relâchez, croisez, allez chercher derrière le plafond, hop, et relâchez, et maintenant vers l'arrière-bas, je viens saisir les poignets, j'étire les épaules vers l'arrière, je remonte doucement en contrôlant. Et relâche vers l'avant. Hop. Et reviens. Inspirez de face. Expirez. Rotation vers la gauche. Vous pouvez faire ça assis tailleur si au niveau des genoux c'est douloureux. Et reviens. Inspirez. Et soufflez. Rotation à droite. On revient encore, inspire, expirez, rotation à gauche, loin, 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 on revient, inspire, et je relâche, jambes tendues, écartez vers l'avant, redressez-vous, poussez avec les mains vers l'arrière. Essayez de ravancer le buste légèrement, tout doucement. Et relâchez, jambe gauche fléchie vers l'avant, jambe droite tendue. Inspirez en montant la main du côté de la jambe fléchie. Et en soufflant, je descends. Relâchez encore une fois. Inspirez, grandissez-vous vers le plafond et soufflez, descendez. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez. Et soufflez. Encore une fois, inspire. Et souffle. Et je reviens.
On relâche le quadriceps avec la jambe fléchie vers l'arrière. Cette fois, ramenez bien avec votre main. Hop, pivotez derrière. Là, vous devez déjà sentir. Et je monte la hanche du côté de la jambe fléchie. Je pousse le genou dans le sol. Appuie sur l'avant-bras opposé. Petite rotation vers l'arrière. Et là, on est bien. Attaqué par un insecte. C'est bon. On change. Allez, derrière. Hop. Écartez. Remontez. Poussez. Et reviens. On va faire la position du S. Que j'aime particulièrement, qui est très efficace. Ici, votre S, vous pouvez en plus pousser votre pied vers l'avant. Alors faites attention parce qu'il y a un grand changement entre le moment où elle est contre vous et le moment où elle est plus éloignée. Donc allez-y doucement si vous voulez tenter à pousser, sinon vous restez hop, prêt et on descend sur les mains. Si on peut sur les avant-bras. Si on peut, on va chercher loin avec les bras. Et on ramène les mains vers soi pour s'aider à remonter. Pivoter vers l'arrière, poser les mains au sol. Et on descend doucement. Et je repousse avec les mains. On revient au centre. Toujours travailler votre respiration sur les mouvements. Inspirez, soufflez maintenant. On va descendre dans la direction du pied. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Grandissez-vous. Descendez. Plus bas. Remonte. Pivot arrière. Et remonte et inspire, diagonale vers le pied. Et je souffle, je ramène. On va s'allonger sur le tapis. Dos au sol, déroulez tranquillement votre dos. Ici, on va aller chercher pour travailler le déroulement des vertèbres, mobilité, hop, loin vers l'arrière, si on y arrive. Et je ramène, dos droit, soufflez loin vers l'avant. Inspirez, soufflez toujours profondément, ça va vous aider. Hop. Et dernière fois. Et relâchez, on déroule, dos au sol, on ramène les deux genoux contre la poitrine, enroulez bien, décontractez votre dos. Et on bascule les genoux d'un côté et on tend le bras de l'autre, loin, loin, loin. On revient au centre, on ramène encore genou poitrine et on bascule de l'autre côté. Et reviens, ramène, pose tout doucement les pieds au sol. Et on va faire un petit massage de dos ici au niveau des lombaires. Enroulez là le bassin, le pubis, enroulez-le vers l'avant. Et déroulez, imprimez chaque vertèbre dans le tapis jusqu'au bout. Uniquement les cinq lombaires. On ne va pas monter jusqu'au milieu du dos. C'est vraiment le bas du dos. Hop, j'imprime, j'enroule. Je relève tout doucement en quelques millimètres. Et je déroule les vertèbres sur le sol en poussant chacune d'elles sur le tapis jusqu'au bout. Encore, enroulez. Hop, petite rétroversion du bassin.
Et dérouler, appuyer, imprimer. C'est un très bon exercice pour les lombaires. Prévention des douleurs et éviction des douleurs aussi. Enfin, oui, vous m'avez compris. On relâche le dos, on libère le dos. Petit massage. Et relâchez. Pied gauche en appui, pied droit fléchi, posé sur le genou gauche. Je viens chercher le tibia que je ramène vers moi. Allez, vous ramenez, si vous ne sentez pas ici le fessier, si vous ne sentez rien, c'est que vous pouvez encore ramener le tibia vers vous. Et relâche, même chose de l'autre côté. On vient chercher, on ramène, on ramène, on ramène. Et déposez, relâchez. Étendez les jambes, étirez les bras. Étirez la colonne, grandissez-vous, essoufflez, relâche encore une fois, étirez, grandissez-vous, faites-vous du bien, et relâchez, hop, passez sur le côté, sur le ventre, étirez encore, loin, 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 relâchez, main niveau poitrine, on se redresse. Sans creuser le dos, plantez les orteils, poussez les fesses vers l'arrière, en essayant d'avoir le dos droit, jambes tendues, la tête entre les bras, et je ramène les mains au niveau des pieds, légère flexion des genoux, je déroule la colonne vertèbre par vertèbre, et mets debout. Grande inspiration, étirez encore, grandissez-vous et relâchez. Encore une fois, inspire. Main droite saisie, poignet gauche et je bascule vers la droite, tout doucement. Je reviens, même chose de l'autre côté. Et je reviens, je vais chercher plafond, j'écarte les pieds et je souffle jusqu'au sol. Déroulez, inspirez, dernière fois, étirez, essoufflez, relâchez. Et je déroule et on s'étire comme on a envie. Et bravo à tous. Super. Très très bien. J'espère que vous avez passé un excellent moment, vous vous êtes bien défoulé, que vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez aujourd'hui après cette journée du 7 mai. Voilà, et puis ben, on se retrouve, donc demain c'est 11h, samedi 18h, et la semaine prochaine on garde encore le même rythme pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation, de ce qui vous convient, est-ce que vous serez encore là. voilà, si on continue sur ces rythmes-là, est-ce qu'on change, on verra. Donc on conserve en tout cas donc la fin de cette semaine et la semaine prochaine. Et puis, après, on ajustera. Voilà. N'hésitez pas à mettre des petits messages. J'en ai eu, j'ai reçu des mails également. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait très, très plaisir, tous les messages que j'ai. Et puis, ben voilà, on fait du sport ensemble. On se fait du bien physiquement. On se fait du bien aussi moralement à se retrouver très, très régulièrement sur les cours, à se donner rendez-vous comme ça depuis le 20 mars. On a bien tenu bon. Il y a Isa qui met super son, merci et bonne soirée à tous. Génial Isa, bravo, bonne soirée à toi. Elise, merci à toi et bonne soirée à tous. Salut Elise. Gwenaëlle, t'es trop forte, tu ne prends même pas de jour férié. Un grand merci. Oh, ah oui, parce que demain c'est le 8 mai. Oh. Non, non, on se donne rendez-vous à 11h. C'est pas férié pour le sport. À bientôt Gwenaëlle. Véronique, merci, excellente séance, à demain. Super Véronique, à demain. Hélène, pas mal de douleurs lombaires en ce moment, cette séance m'a fait beaucoup de bien.
Très bien. Hélène, si tu as un gros ballon, un Swiss ball, n'hésite pas à travailler dessus, à faire des exercices d'extension de dos. Je ne sais pas si tu as, tu peux peut-être me répondre tout de suite avant que je continue à parler là-dessus. Violette, c'était top. Merci, je vais aller fêter la fin de mes partiels. Hey, yes, Violette, j'espère que ça a marché. Je croise les doigts pour toi. Très bien. Fesse-toi bien. Laurent, merci beaucoup, bonne Sophie, bonne soirée. À bientôt, Laurent et la famille. Bonne soirée. Et Edith, merci aussi pour tous les bons conseils. Bonne soirée à tous, à demain. Merci à toi, Edith. Hélène, Swiss ball, pas Swiss ball. Donc, Hélène, si tu as un Swiss ball, il y a une séance spéciale Swiss ball qui traîne sur les vidéos. N'hésite pas à aller les voir et ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien pour les lombaires. Donc, fais la séance et puis travaille pour ça, travaille dessus si tu en as un. Si tu n'en as pas, tu pourras bientôt en acheter un. Et je te conseille vraiment vivement. Je vous en ai un, mais il faut que je le retrouve. Ah oui, donc tu n'en as pas encore, enfin tu n'en as pas là sous la main, il faut que tu le retrouves, d'accord. Ok, ben cherche bien alors, Hélène. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain live. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao, ciao.